Bonjour les amis, aujourd'hui on est un certain jour. Eric reprenait le bateau à Ancona, direction la Bulgarie. Donc moi j'avais pas fait la vidéo, mais voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si on va le voir là, parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Voilà. J'ai planté les radis là. Alors en fait il y en avait plein, mais j'étais un peu brutos. Et en fait, j'ai cassé tout. Donc je les ai virés. Tant pis, hein. Je le saurai très fragile pour l'année prochaine. Alors ici, on a à manger. Courgette guyanaise. Voilà, courgette de Guyane. Donc courgette de Guyane. Ici, nous avons les courgettes niçoises. Oui. Et la fille qui vient dire bonjour. Assis, c'est bien. Assis, c'est bien. Oh, je vous éclate. Ici, regardez comment que ça pousse les haricots. Ah, ils sont extraordinaires. Mais bon, on m'en a taxé un de haricots. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un, il est venu. Bon, je pense que c'est un animal. Hein. Et il m'a mangé un haricot, je vais vous dire lequel. Le celui-là. Il a disparu, il n'est plus. Bon, là, ça sort, hein, ça continue à sortir. Bon, là, il n'est pas sorti, celui-là. Celui-là, il n'est pas sorti. Il y a celui-ci. Alors là, j'étale, hein, parce que j'ai de la place, donc j'étale un peu, mais pas trop, parce que je voudrais que les racines, quand même. Voilà. Ici, nous avons le potimarron. Hop. Voilà. Donc ça plante, ça plante. Ici, bah, on me l'a taxé, il n'y a plus rien. Bah alors, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a, ils me font des cachotteries, hein. Alors on m'a bouffé encore un truc. Alors je soupçonne, elles sont où? Je soupçonne peut-être. Bon bah si ça leur fait plaisir. Que ça soit ces coquines-là là. Et qu'est-ce que vous faites dans les. Chut, allez! Eh, vous avez rien à foutre dans les fraises. Donc voilà, donc elles m'ont bouffé des trucs. Oh merde. Et là aussi, il y a des petits trucs qui poussent. Là, je me rappelle plus ce que j'ai mis. On verra plus tard. Donc voilà. Je vais vous montrer la serre aujourd'hui. Alors la serre aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Bon, ça a soif, hein. Mais on va laisser avoir soif. On va laisser avoir soif un maximum. Alors là, les tomates, hein, ça pousse. Ah, ça y est. Les tomates aroma commencent à arriver. Là aussi, ça pousse. Par contre, je crains que pour les autres pots, je vais quand même laisser, mais à mon avis, c'est mortu, hein. C'est mortu. Enfin, je vais quand même arroser ce soir. Ça fera du bien. Alors ici, donc, il y a plein d'herbes qui poussent. Mais je ne sais pas lesquels sont les poivrons. Bon, il y en a qui vont dire les poivrons, c'est ceux qui ont des feuilles. Ça, on s'en doute. Bon, bah, écoutez, on verra bien. On va laisser pousser encore une petite semaine ou deux là. Et sinon, c'est que ça aura pas marché. Et dans ce cas-là, nous allons virer. Voilà. Sinon, les pieds de tomates, ils poussent de plus en plus. Regardez la taille de celui-là. Ça pousse de plus en plus. Il y en a quelques-uns, ils ont un petit peu du mal. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Alors là, j'ai pas la vidéo, mais sauvetage de deux bébés hirondelles hier qui sont tombés du nid. Donc, je les ai remis dedans. Et puis
Bon, je vois qu'il n'y en a plus que 3 là, 3 ou 4. Donc je pense que c'est les parents qui les ont virés, il va avoir un problème, je sais pas où ils sont. Bon, en tout cas, tombé à terre, les chiennes n'y ont pas touché. Ça, c'était super. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Ah oui, si, j'ai planté aussi dans la rocaille, puisque je me suis dit, je vais utiliser un peu d'espace quand même, pour que je prépare. Donc, un pied de tomate ici. Là, je ne savais pas si c'était les poivrons, les piments que j'avais mis. Donc, bon, bah, je les ai plantés là. On verra dans une semaine ce que ça donne. Si ça donne bien, c'est bien. Et si ça donne pas, bah, tant pis. Ah, la fille, c'est vrai. Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, je télécharge tout ça là. Et puis, dès que c'est prêt, je vous la mets en ligne. Allez, à plus tard.